L'objet de mon propos est d'essayer d'apporter quelques lumières dans nos débats politiques d'aujourd'hui. Ils gravitent pour une grande part, vous le savez, autour du libéralisme et du néolibéralisme, non sans une grande confusion sur le contenu de ces notions. C'est cette confusion que je voudrais contribuer à dissiper. Je m'efforcerai pour ce faire de proposer une identification rigoureuse de ce qu'il convient de mettre sous le nom de libéralisme. Ceci fait, nous serons mieux armés pour aborder, ce sera le second moment de mon propos, la situation actuelle du dit libéralisme et la nature de son renouvellement sous la forme du néolibéralisme. Nous serons mieux en mesure, ainsi, je l'espère, d'envisager les dilemmes actuels de la liberté. Pour aller droit d'entrée à ma thèse essentielle, la difficulté en matière d'identification du libéralisme tient à ceci que l'on mélange deux choses qui doivent être distinguées, un fait et une doctrine. D'un côté, une donnée fondamentale relevant de l'organisation de nos sociétés, de l'autre côté, une idéologie tirant les conséquences politiques de ce fait et, en outre, une idée prescriptive des conditions de fonctionnement de nos sociétés. En d'autres termes, il y a lieu de distinguer entre le fait libéral, donnée organisatrice centrale de nos sociétés, et le libéralisme comme idéologie. Ce fait libéral est double. Il consiste, premièrement, dans l'indépendance reconnue à la société par rapport au pouvoir. Pour employer des concepts classiques, il consiste dans la séparation de la société civile et de l'État. Et, corollaire, l'indépendance reconnue aux individus de droit à l'intérieur de la société. Secondement, le fait libéral consiste dans l'inversion de la relation entre pouvoir et société par rapport à leur ancien mode de relation. Le pouvoir était posé comme antérieur et supérieur à la société. Il l'a surplombée, il l'a dominée, afin de la mettre en ordre et de la faire exister comme société ordonnée. Le fait libéral résulte du renversement de cette relation. La société est posée comme première par rapport au pouvoir et comme source du pouvoir, qui devient la représentation de la société. L'indépendance de la société civile se prolonge dans le gouvernement représentatif. Ce pourquoi il convient de parler d'un renversement libéral donnant naissance au fait libéral. La formulation la plus frappante peut-être qui en ait été donnée dans le moment même où ce renversement libéral s'est produit est celle proposée par Guizot. D'un pouvoir cause, dit-il, entendons cause de la société, nous sommes passés à un pouvoir effet. Entendons un effet représentatif de la société.
pourquoi maintenant ce renversement libéral et ce fait libéral ? Et pourquoi les appeler ainsi ? Car après tout, d'autres dénominations pourraient convenir. Bien répondre à la question demande de dire quelques mots des raisons du régime antérieur. Pourquoi cet ancien régime de subordination de la société au pouvoir ? Il s'insère dans le cadre de la structuration religieuse des communautés humaines. Celle-ci définit un mode d'organisation des collectifs selon la loi de l'autre, l'hétéronomie dans la rigueur du concept. Dans ce cadre hétéronome, ce qui tient les communautés humaines ensemble est posé comme venant de plus haut, de l'invisible, du ciel, des dieux. Il est suspendu à un principe transcendant, supérieur et extérieur à la volonté des hommes, dont le pouvoir monarchique dans la tradition historique qui nous est familière, dont le pouvoir est le relais parmi les hommes. Le pouvoir sacré représente et concrétise ce qui met en ordre la société et lui donne sa loi depuis l'au-delà. Ce pourquoi, notons-le au passage, il n'y a pas même dans ce cadre de société concevable. Société, notion que nous ne cessons d'utiliser, est une notion qui émerge seulement tout près de nous, au XVIIIe siècle, et qui ne trouve son plein développement qu'à la fin du XIXe siècle. Quand nous la projetons sur le passé, et nous pouvons très bien le faire, sachons au moins qu'elle renvoie à une interprétation du fait humain originale et récente. Avant la société, il n'était question que de corps politique, où les communautés humaines se présentaient inséparables du pouvoir qui les fait exister et qui leur fournissait leur âme. Le renversement libéral, dans cette perspective, est un moment du processus de sortie de la religion engagé depuis le XVIe siècle et au fil duquel s'est formé le monde que nous connaissons. Le fait libéral est un des principaux produits de cette révolution moderne qui a donné lieu à un nouveau mode de structuration des communautés humaines, la structuration autonome. Le fait libéral est en particulier le produit de la troisième vague de la révolution moderne. Sa vague historique, venant après sa vague politique et sa vague juridique. Car ce sont là les trois composantes d'un monde autonome. Par monde autonome, il faut entendre un monde qui cesse d'être organisé en fonction de l'obéissance aux dieux et aux puissances surnaturelles, pour s'organiser à l'opposé en vue de la capacité de se donner sa propre loi, mais pas seulement, comme le dit le terme autonomie, organiser aussi en vue de se produire lui-même. Un monde autonome est d'abord, première composante, un monde organisé en communauté politique, doté de moyens de s'autodéterminer. C'est le sens de l'émergence et de la formation
sur des siècles, des États-nations. Un monde autonome est ensuite, deuxième composante, un monde qui cesse d'avoir pour fondement de son droit et du pouvoir légitime un principe extérieur et supérieur, un principe suprahumain. C'est le sens de l'invention de ce que nous appelons aujourd'hui le droit naturel moderne, dont le fruit intellectuel qui nous est le plus familier est le schéma contractualiste, qui reconnaît pour base de tout droit le droit détenu d'origine par les individus du seul fait de leur existence. Ce que traduit la formule que vous connaissez tous, les hommes naissent libres et égaux. Entendons également libres. De telle sorte que tout lien légitime entre ces individus de droit ne peut procéder que de leur consentement. Ces deux composantes nous sont très familières, mais il y en a une troisième qui reste la plus mal comprise, alors pourtant qu'elle est au cœur de nos difficultés. Un monde autonome est aussi un monde qui cesse d'obéir au passé de la tradition pour se tourner en pratique vers l'invention de l'avenir. C'est le cœur de notre sujet. Un principe de légitimation extérieure et supérieure, en effet, est toujours en même temps un principe antérieur. Il vaut d'au-dessus, donc il valait depuis toujours. Il valait avant, il vaudra à jamais. C'est pourquoi les sociétés structurées religieusement sont des sociétés de tradition, dans la plénitude du terme. Des sociétés qui se déploient sous le signe de la fidélité à leur modèle fondateur et qui sont hostiles aux changements qui pourraient affecter leur organisation. Cela ne les empêche pas, dans les faits, de changer. Parce qu'une société humaine ne peut pas ne pas changer. Mais elles changent malgré elles. Elles sont organisées pour ne pas changer, ce qui fait, au final, qu'elles changent, mais lentement. À l'opposé, nos sociétés s'organisent en vue de leur propre changement. C'est ce qui en fait des sociétés pour l'histoire. En fonction de quoi ce concept d'histoire acquiert le sens que nous lui connaissons depuis le début du XIXe siècle. En fait, le déploiement de la structuration autonome va prendre l'aspect d'un basculement du passé fondateur vers l'avenir à construire. Ce basculement s'esquisse à partir de 1750, où perce sa première expression sous le nom qui nous est resté familier de « progrès ». Nous pouvons en résumer l'esprit dans une formule très simple. L'avenir sera supérieur au passé. C'est à cet avenir meilleur, où nous serons plus riches, plus éclairés, plus instruits, plus libres, que nous devons travailler.
il faut bien saisir le sens de cette orientation historique qui renverse l'axe temporel de la vie collective. Il y va, en effet, de l'autonomie dans son sens le plus fondamental. Un monde humain autonome ne se contente pas de se donner ses propres lois. Il se constitue lui-même matériellement et intellectuellement dans le temps. C'est à la faveur de cette grande réorientation qu'apparaît l'économie comme vecteur primordial de cette autoconstitution dans la durée. La révolution industrielle va apporter sa traduction systématique à cet horizon productif et autoproductif, qui, autour de 1850, aura donné naissance à une société entièrement différente de celle que nous connaissions auparavant. C'est cette réorientation, très précisément, qui induit le renversement libéral, la mise en place du fait libéral. En effet, une société du changement qui valorise par-dessus tout sa propre dynamique productive. Une telle société ne peut rester un corps politique soudé autour d'un pouvoir qui lui impose sa loi d'en haut. Par nature, cette formule du corps politique est statique. Or, la dynamique qui est le nouvel impératif, le pire ennemi de nos sociétés, nous l'entendons tous les jours dans le discours politique, c'est l'immobilisme. Pour nous, c'est le mouvement qui prime, et le mouvement, il procède de l'invention individuelle, il procède des échanges librement noués entre les personnes, il procède des interactions entre les personnes, il procède des initiatives en tout sens de la société. C'est ainsi qu'en fonction du primat de la dynamique, la société s'autonomise par rapport au pouvoir et que le rapport entre le pouvoir et la société se retourne. Comme le dira le jeune Auguste Comte, le pouvoir est stationnaire, tandis que la société est progressive. Il s'agit donc d'aligner le pouvoir sur la progression de la société. C'est ce qui va donner irrésistiblement la prévalence à l'indépendance inventive de la société. L'invention historique a son siège dans la société. Laquelle société a besoin de liberté pour donner leur plus grande efficacité à ces ressources créatrices. C'est à la légitimité acquise par le travail historique en direction de l'avenir que nous devons l'inversion qui a fait du pouvoir le serviteur de la dynamique collective, qui éclot dans la société. En un mot, le renversement libéral et le fait libéral sont la réorganisation de l'existence collective appelée par l'orientation historique. Le basculement vers l'avenir débouche sur une autre manière de concevoir l'architecture et le fonctionnement de l'être ensemble. Si nous sommes libres, c'est à l'histoire que nous le devons. Mais me direz-vous, pourquoi libéral à propos de ce fait, pourquoi renversement libéral ?
Je crois qu'il importe de continuer à les appeler libéraux, d'abord parce qu'il y va réellement de la liberté personnelle et publique. Je le crois ensuite parce que les auteurs qui se réclament des idées libérales ont été les pionniers de la défense et illustration de cette nouvelle manière d'être, et que tout autre concept perdrait en vérité historique en défaisant cette origine ou en l'occultant. Avant d'en venir au libéralisme comme idéologie, cette fois, je souligne le caractère politique primordial du renversement libéral et du fait libéral. Il ne s'agit pas là de conséquences de la naissance du capitalisme, comme on le voit très communément écrit. Il s'agit de données globales touchant l'ordonnance générale des collectivités. Accessoirement, c'est ce fait libéral qui donne naissance à la politique telle que nous la connaissons. Elle est inséparable du gouvernement représentatif. Elle peut être définie le domaine d'activité correspondant à la formation du pouvoir par la société, avec, au travers des élections et du contrôle de l'action des pouvoirs élus. La politique repose sur un personnel et des organisations spécialisées, des militants, des partis, des observateurs, des informateurs, des journalistes, en même temps qu'elle concerne l'ensemble des citoyens. Toutes les sociétés humaines sont politiques, en ceci que leur existence est organisée autour de pouvoir. Il convient de parler du politique pour désigner cette propriété générale qui spécifie les sociétés humaines, par exemple par rapport aux sociétés animales. Mais le politique peut très bien aller, et il est très généralement allé à travers l'histoire, sans la politique. La politique qui, elle, est propre à notre société et associée au gouvernement représentatif, au fait libéral et à l'orientation historique. De concert avec la politique, selon la représentation, naissent l'idéologie et les idéologies dont l'idéologie libérale. Le terme d'idéologie a très mauvaise presse, pour des raisons qui ne sont pas mystérieuses et qui se ramènent aux emplois dévergondés auxquels il a donné lieu. Et il y a beaucoup à réfléchir avant de se risquer à l'employer. Il me semble indispensable, cependant, et je n'en vois pas d'autre, sauf à créer un néologisme plus ou moins arbitraire, il est indispensable, ce terme d'idéologie, pour désigner le nouveau genre de discours qui accompagne l'émergence de la politique et du processus représentatif. Idéologie est à concevoir comme l'opposé de religion, qui était l'ancien discours de justification de l'ordre social. La fonction de l'idéologie est de justifier les choix politiques soumis aux électeurs. Sur quelle base asseoir ces choix ? L'histoire, justement, forcément. Ce devenir qui entraîne la collectivité et qui fait surgir sans cesse de nouveaux problèmes.
Quelle est la nature de ce mouvement qui nous emporte? Quel est son moteur? Quelle est sa direction? Vers quoi nous mène-t-il? Que faut-il en redouter? Que faut-il en espérer? Voilà les questions auxquelles va répondre l'idéologie. Elle est un discours d'explication du mouvement historique, en même temps qu'un discours de prédiction de l'avenir destiné à étayer les choix politiques à effectuer ici et maintenant. Où sont les priorités et les urgences? Que se passe-t-il? Quel est le meilleur moyen de se concilier le ressort du devenir? Une anatomie rigoureuse de ce discours composite, qui mêle plusieurs genres de discours, est possible, que je ne puis faire que suggérer ici. On peut montrer qu'il va y avoir trois grandes idéologies ou trois idéologies fondamentales. Le conservatisme, le libéralisme et le socialisme. Et bien entendu, toutes sortes d'hybrides et de variétés à partir de ces trois souches. Trois idéologies qui correspondent fondamentalement aux trois dimensions du temps. Passé, présent et avenir, et qui correspondent en outre aux trois éléments qui constituent notre monde, politique, droit et histoire. Le conservatisme privilégie l'attachement au passé et fait confiance aux politiques en priorité. Dans la mesure où c'est du politique que nous pouvons attendre ce qui fait, aux yeux des conservateurs, la valeur fondamentale de la vie sociale, l'ordre, condition de toutes les autres valeurs. Le libéralisme valorise le compromis au présent qu'il considère comme dont il attend la garantie du droit, en fonction de son attachement à la liberté qu'il regarde comme la source de l'efficacité collective. Le socialisme, enfin, met au premier plan les espérances du futur, en fonction de sa volonté de justice et de sa foi dans la capacité d'invention et de transformation de l'histoire. Si des sociétés très différentes de celles qu'on connaissait sont apparues, pourquoi une société encore plus différente ne serait-elle pas possible? À y regarder de plus près, de quoi parlent ces idéologies? Centralement, elle parle de la place à donner au fait libéral. Ce sont des discours qui proposent des interprétations du fait libéral proportionnées aux orientations qu'elle développe. Le conservatisme se méfie du fait libéral en tant que source de désordre, si ce n'est d'anarchie. D'où sa volonté de contenir le fait libéral, si l'on en reste à un conservatisme modéré, ou sa volonté carrément de l'abolir dans le cas d'un conservatisme radical grâce à la restauration de l'ancien primat de l'ordre politique. Le libéralisme, lui, entend donner au fait libéral la plus grande place possible, en accordant le plus de liberté possible aux individus et à leurs transactions et interactions au sein de la société, tout en limitant autant que faire se peut l'emprise du gouvernement. Quant au socialisme,
ramené à son noyau essentiel, il entend dépasser le fait libéral dans lequel il voit une source majeure d'injustice. Il le lit comme une ruse de la puissance pour abuser les faibles. D'où ce qui a été historiquement son remède favori, l'abolition de la propriété privée et l'appropriation collective des moyens de production, supposés permettre de résorber la séparation de la société. Il y aura bien sûr discussion à l'intérieur de la famille socialiste entre des réformistes pensant pouvoir réduire les incidences du fait libéral et en minimiser les effets, et des socialistes révolutionnaires décidés à supprimer purement et simplement le fait libéral et l'indépendance de la société. Voilà, ramener encore une fois à leur épure, les éléments de notre grand débat politique depuis un siècle et demi, tels que les termes de ce débat se sont fixés autour de 1850 à peu près. Le libéralisme comme idéologie, je le souligne, est une certaine interprétation ou lecture du fait libéral. Lequel fait libéral est un fait problématique, dont on voit bien qu'on peut lui donner plus ou moins de place. Il réclame aménagement. Ce n'est pas un fait statique du reste, mais un fait dynamique. Il acquiert avec le temps une place grandissante au sein du fonctionnement collectif en fonction de la capacité interne d'organisation de la société et de l'indépendance de droit qu'elle gagne lentement vis-à-vis du pouvoir. Le libéralisme économique est un libéralisme particulier à l'intérieur du libéralisme politique. Un libéralisme qui tend à donner une valeur paradigmatique à l'indépendance du secteur économique dans le cadre de l'indépendance de la société civile, laquelle société civile ne se réduit évidemment pas à l'économie, mais comporte l'ensemble des groupements volontaires formés de leur propre mouvement par l'accord des citoyens et des acteurs sociaux. Tous les libéraux sont pour la liberté de posséder, d'échanger et d'entreprendre. Mais tous n'ont pas le même degré de confiance dans ces libertés. Ils peuvent être partisans, et beaucoup le sont, de leur contrôle, qu'il s'agisse du libre-échange ou qu'il s'agisse de l'encadrement des contrats, par exemple du contrat de travail, ô combien. Le libéralisme économique, lui, a pour originalité de regarder la plus grande liberté possible du secteur économique, non seulement comme la condition de son efficacité, mais aussi comme la condition de la liberté politique. La réglementation et le contrôle de l'économie, à ses yeux, constitue le début de la fin de la liberté politique. L'ouvrage qui a donné à cet argumentaire sa forme classique est celui de Hayek qui s'intitule « La route de la servitude ». Voilà donc pour le cadre général et pour ce qui regarde la signification historique du libéralisme dans ses rapports avec le fait libéral et des racines réelles que la liberté politique trouve dans notre monde, de par son orientation historique. La question maintenant
et de savoir ce qui s'est passé dans la période récente, depuis la grande inflexion des années 1970, qui a réactualisé cette problématique initiale et réouvert en grand les interrogations dont elle est porteuse. Idéalement, il faudrait ici pouvoir retracer le parcours complet depuis la phase première de décantation dont j'ai situé les grands traits. Les limites de cet exposé ne le permettent pas. Aussi irais-je droit à l'essentiel. Ce qui s'est joué, l'événement majeur sous le coup duquel nous nous trouvons, c'est le triomphe du fait libéral, sous l'effet d'un nouvel approfondissement de l'orientation historique. Ce triomphe du fait libéral s'est traduit en particulier par la déroute et la liquidation tant du conservatisme radical que du socialisme révolutionnaire, qui prétendaient chacun de leur bord et pour des motifs opposés, revenir sur le fait libéral et l'opposer. Nous voyons bien, après coup, qu'il n'en avait pas saisi la profondeur et la nature structurelle. Il n'y voyait qu'une donnée historique contingente, destinée à être surmontée ou dépassée. Ou bien, en fonction des exigences d'un authentique ordre social avec un grand O, chez les conservateurs, ou bien en fonction du passage révolutionnaire à une organisation sociale plus rationnelle et plus juste à la fois. Ces deux lectures du fait libéral se proposant de l'abolir ont dominé le XXe siècle. Elles ont trouvé leur concrétisation paroxystique dans les phénomènes totalitaires, dont c'était l'article programmatique central. Refaire, sous un mode ou sous un autre, l'un du pouvoir et de la société. Le conservatisme radical était très affaibli depuis sa défaite de 1945, mais il gardait une attraction souterraine. Quant au socialisme révolutionnaire, il continuait plus que jamais d'enflammer les esprits. L'inflexion, tout à la fois intellectuelle et sociale, de grande ampleur, qu'a déclenchée la crise économique des années 1970. Le choc pétrolier de l'automne 1973 étant le point de départ. Une inflexion qu'on peut dire, je crois, civilisationnelle. Cette inflexion a eu pour effet de consacrer le fait libéral qui a pris, qui est en train de prendre, car ce sont des mouvements dont nous parlons, qui est en train de prendre ses dimensions maximales. C'est à cette source qu'il faut rapporter les transformations spectaculaires de l'allure et de la marche de nos sociétés depuis lors. Toutes ces choses dont nous parlons depuis une quarantaine d'années, le déploiement d'un nouvel individualisme, la montée du droit, le retour de l'entrepreneur, la consécration en majesté du marché, le libre-échange, la globalisation, mais aussi bien dans la vie familière de nos sociétés, l'explosion associative, le consensus autour de la démocratie, tous ces phénomènes se relient semblablement
à ce fait central de la consécration du fait libéral. Il n'y a plus de place, dans ce cadre qui s'est installé sans heurts ni rupture, pour la perspective d'un dépassement du fait libéral. Cela nous est devenu impensable. La liberté individuelle a pris, pour de bon, le statut de principe organisateur suprême. Dans toute l'étendue de ses conséquences, avec son corréla, qui est la liberté des accords inter-individuels. Liberté personnelle, bien sûr, mais aussi bien liberté d'entreprendre, liberté de créer un journal, une télévision, un parti politique, une association. Bref, liberté des acteurs de la société civile de s'organiser comme ils l'entendent. Nous ne pouvons penser autrement. Dans l'autre sens, il n'y a plus grand monde pour croire en la capacité de l'État à mettre une société en ordre par en haut et à l'administrer de part en part rationnellement. Cet horizon a quitté le champ du pensable, tout comme la foi dans la capacité de la puissance publique d'organiser la vie économique et de la gérer de manière optimale dans l'intérêt collectif. C'est une perspective qui a cessé d'être croyable. Alors qu'elle avait soulevé d'immenses espoirs en une société meilleure pendant des décennies. Événement extraordinaire que celui qui, de manière silencieuse, sans fracas, change ce que nous pouvons penser de l'organisation de notre société et de la manière la meilleure de l'aménager. En ce sens-là, et c'est là qu'est la nouveauté essentielle de notre situation intellectuelle et morale, ou de notre conjoncture idéologique, pour employer des termes sans doute mieux appropriés, en ce sens-là, nous sommes tous devenus, que nous le voulions ou non, que nous le sachions ou non, ce qui est remarquable encore plus, nous sommes tous libéraux. Entendons qu'il n'existe plus, en réalité, que, outre les libéraux avoués, que des conservateurs libéraux ou des socialistes libéraux. Ils peuvent très bien ne pas le savoir, mais ils le sont malgré eux, et l'épreuve des faits nous permet de le vérifier. Car, premièrement, les clivages idéologiques n'ont aucunement disparu pour autant. Et secondement, le problème d'interprétation du fait libéral et de la juste place à lui donner est plus vivant et plus aigu que jamais. Ce dont nous nous apercevons chaque jour un peu mieux, la crise financière de 2008 ayant été à cet égard un accélérateur de clarification décisif, c'est que si les libéraux ont été les fers de lance de la critique de l'ancien monde qui a effectivement sombré, celui de l'économie administrée et du surplomb étatique, ils sont loin, très loin, d'avoir la réponse aux questions que soulève le gouvernement du Nouveau Monde issu de cette inflexion. Les libéraux ont tiré un avantage formidable dans un premier temps de ce triomphe du fait libéral,
qui leur a donné raison dans le principe. Mais leur démarche, au fur et à mesure qu'elle s'est déployée, n'a cessé de révéler des failles béantes dans un second temps, qui relancent la carrière de leurs concurrents. D'où la cacophonie et les contradictions ambiantes. Sans doute sommes-nous à un moment crucial de décantation idéologique destiné à mettre en place un nouveau système de repères politiques comme celui qui s'était installé dans la première moitié du XIXe siècle. Le point acquis, je crois, c'est le caractère indépassable et structurel du fait libéral dans nos sociétés. Nos sociétés sont de structure libérale et il est essentiel de comprendre pourquoi. Mais le point second qu'il faut ajouter au premier, ce sont les limites du libéralisme idéologique. Pour le résumer en termes populaires ou familiers, les nationalisations, ça ne marche pas, soit, mais le marché, ça ne marche pas non plus. Car ce fait structurel, qui est un fait problématique, encore une fois, exige un travail de réglage et d'organisation auquel le libéralisme ou le néolibéralisme d'aujourd'hui n'a pas la réponse. Un travail dont il ne fournit pas la recette, que ce soit au niveau le plus élevé du libre-échange global ou au niveau du fonctionnement de n'importe quel micro-marché. Mais le problème va bien au-delà de l'économie et surtout, désenclavons le problème du domaine de l'économie. Il concerne le fonctionnement d'ensemble de nos sociétés. Au stade atteint par leur libéralisation, qui justifie de parler de néolibéralisme. Je n'ai pas le temps ici d'accorder au sujet la place qu'il mériterait, nous pourrons en parler dans les échanges qui suivront. C'est le degré de libéralisation qui justifie à un moment donné de parler de néolibéralisme par rapport au libéralisme classique. Pour le dire là aussi en deux mots, nos démocraties ne peuvent pas être seulement libérales. Elles doivent aussi être démocratiques. C'est-à-dire capable d'organiser un authentique pouvoir en commun. C'est ici que se situe le ressort de la crise qui frappe nos démocraties, qui résulte d'une accentuation unilatérale de leur dimension libérale. D'une manière générale, le libéralisme est à l'instar de n'importe quelle autre idéologie. Le libéralisme tend à l'unilatéralisme. Il est aveugle en particulier au rôle nécessaire du politique dans le fonctionnement de nos sociétés. Il ne voit pas que plus de liberté pour la société et que plus de liberté pour les individus dans la société vont nécessairement de pair avec plus d'État. Pas le même État. Pas un État d'autorité surplombant la collectivité, mais un État infrastructurel, pourrait-on dire, créant les conditions de la coexistence et en mesure d'impulser les orientations collectives. Au bout de la libéralisation extrême, nous sommes en train d'en faire l'épreuve. Il y a l'impuissance collective. Si nos démocraties se réduisent
à la coexistence des libertés au sein d'une société de marché politique. Elles entrent en contradiction avec leur principe fondamental, qui est l'autogouvernement. La liberté de chacun perd son sens dans l'impouvoir général. Une liberté sans pouvoir est tout simplement dérisoire. Peut-être fallait-il en faire l'expérience pour que nous entreprenions de repenser la liberté. La liberté n'est pas, selon l'idée spontanée que nous sommes portés à nous en former, que contradiction avec le pouvoir. Elle a aussi besoin du pouvoir pour se réaliser. C'est dans la composition de ces deux exigences, problème autant philosophique que pratique, que se situe l'avenir de la liberté. Nous ne sommes pas à la fin de l'histoire. Elle reste grande ouverte comme histoire de la liberté. Je vous remercie de votre attention.